Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du bal. J'ai test d'un produit que j'ai reçu de Chine par mon partenaire Banggood, que je voulais remercier d'ailleurs pour me l'avoir envoyé. On va voir ce que c'est. Donc c'est une antéfragile, je soupçonne ce que c'est, mais on va voir si c'est bien ça. Voilà. Donc vous avez un lien d'achat bien sûr de ce produit en bas dans la description. Et encore une fois, je remercie Banggood de me l'avoir envoyé. Donc c'est bien ça. Il s'agit d'une montre chinoise. Hop. Nouvelle marque que j'ai pas testée encore. Vous savez que je suis amateur de montres chinoises. Et là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Il s'agit d'une marque Sinobi. Vous voyez, Sinobi, qui est franchement, ils ont des modèles de ouf. À des prix vraiment dérisoires. Vous voyez, donc il s'agit de la marque Sinobi. On va découvrir ensemble. Donc, une petite languette, en fait, comme ça, avec la petite pastille qui va avec. Donc, c'est une marque chinoise, hein, forcément. C'est une pastille en chinois, mais on s'en fout de ça. Super caddie, hein. Le bracelet fait super classe. On va essayer de l'ouvrir. Alors, oui, il y a un plastique de protection, bien protégé, hein. Super bien protégé. Comme vous pouvez le constater, je suis très très fan de montres, de très belles montres même. Après, la marque, moi je m'en fous, honnêtement, je m'en fous du moment que ça marche, ça me dure. Voilà, donc vous avez une petite languette ici pour ouvrir le bracelet qui s'ouvre très, très très à l'aise. Dire voilà, bien protégé, vous voyez, que ça soit ici ou là, donc là vous voyez, hop, voilà, très bien protégé. Alors je vais enlever la mienne. Et on va faire le tour. Vous avez un petit film ici aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. On enlève tout ça. Donc vous avez le cadran ici, sur la partie haute. J'aime bien ça, parce que c'est comme un anti-stress. Vous voyez, ça tourne dans ce sens. Donc sur la montre, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, ça s'allume pour la nuit. Plutôt bien. Là, les aiguilles ne marchent pas. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est bizarre. Donc là, je vais régler la montre. Il est 20h42. 20h. 18h. 19h. 20h. 42. Alors, si bizarre, parce que les... Vous voyez, en fait, il n'y a que la partie électronique qui fonctionne. La partie aiguille ne marche pas. Très bizarre. C'est bien dommage. Je vois pas ce que je peux faire de plus. De toute façon, oui, il n'y a pas d'autre protection. Donc, ouais. Bon. Bah, tout le reste fonctionne bien. Bah, écoutez, petite déception, parce que du coup, la montre, il y a la partie électronique qui fonctionne très bien. Vous voyez. Donc là, ça fonctionne super bien. La montre est super quali. Mais la partie aiguille, eh ben, ne marche pas. Bon, ben écoutez, c'est les aléas du direct.
c'est les alias de montres commandées en Chine. Heureusement qu'elles ne sont pas trop chères. Au niveau de la montre, donc elle est c'est noté en fait stainless derrière, ouais, rien de particulier. Est-ce qu'elle est résistante à l'eau? Bonne question, normalement oui, mais j'ose pas me prononcer parce que ouais, c'est pas noté. Bon, je m'aventurerai pas non plus dans l'eau. Donc dual time, normalement vous avez la partie voilà. Mais est-ce qu'on peut ouvrir éventuellement? Alors, donc comme toujours, les bracelets métalliques qui sont trop gros, voilà, c'est toujours une galère à changer. Vous voyez, donc tout ça, ça c'est pénible, ça par contre. Ouais, donc c'est pas noté que c'est résistant à l'eau. Donc vous avez un mode lumière, ça on avait déjà vu. Vous avez là donc le chrono, vous avez les réglages ici. Voilà, vous pouvez donc slider ici, enfin changer ici le mode de réglage. Voyez. Donc là. Donc l'heure, la date, les secondes, et puis là, le jour. Voilà. Donc l'heure, la date, seconde et le jour. Et normalement, la partie aiguille, mais qui ne fonctionne pas. Et j'ai beau bouger le truc. Donc j'ai beau bouger les cadrans, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, belle montre, super quali, mais voilà, qui est arrivée avec un défaut. Je ne sais pas s'ils vérifient franchement le contrôle qualité. Parce que là, ils m'envoient une montre, je teste leur produit, et ils m'envoient une montre à moitié en panne. Donc, à moins qu'elle a subi des chocs lors du transport, mais là, la partie aiguille ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, super quali. Là, c'est quoi ça? Là, c'est une tache sur le métal. Qui est à moitié rouillé là. Le bracelet est beau, vous voyez, il a une très bonne qualité, donc ça fait pas vraiment cheap, mais franchement ce défaut gâche un peu la surprise. Là, écoutez, voilà, donc c'est une montre qui vaut moins de 15 euros, donc je vous mettrai quand même un lien d'achat dans la description. C'est bien dommage qu'elle arrive comme ça en panne, mais voilà, c'est les alias, je vous dis, de l'import, donc elle a dû subir des chocs sans doute. Parce que voilà, donc elle n'est pas abîmée, mais voilà. Mais la partie, on va dire aiguille, ne fonctionne pas. Donc vous pouvez toujours utiliser, bien sûr, la montre digitale, mais c'est vrai que ça aurait été bien si l'ensemble fonctionne. Ouais, donc étant chez Italo, je ne vais pas m'aventurer, c'est pas noté. Hein. Non, même si c'est noté, j'aurais pas fait confiance. Voilà les coulous, les loulous. Bah écoutez, c'était donc le déballage et la présentation de cette montre Sinobi. Vous avez un lien d'achat dans la description. Donc je remercie quand même Bon Goût de me l'avoir invité. Et puis je vais leur faire un mail comme quoi eh bien, la montre elle fonctionne à moitié. Bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao.